Eh bien, voici un peu de nouvelles de nos graines d'oignons Isabeau. Alors déjà, je voudrais vous montrer, nous avons deux bacs. Alors pourquoi deux bacs? Suite à notre première vidéo, hein, le jour des semis, nous avons reçu un message d'Éric Baumel. Et suite à son message, nous avons assuré le coup, on va dire. Déjà, il nous a dit de mettre plusieurs graines. Nous, on n'en avait mis qu'une seule. Et puis, apparemment, il y aurait facilement des fontes de semis. De ce fait, eh bien, nous avons fait un deuxième bac donc à l'intérieur, hein, et nous en avons fait aussi un deuxième en extérieur, pour être sûr. Comme on avait quand même pas mal de graines, on a assuré le coup. Donc, on peut dire que ça lève à peu près bien. Au 6 janvier, je crois, c'est le 6 ou le 7, ça a commencé déjà à pointer. Un peu, on commençait à avoir des tout petites pointes blanches. Et puis ici, eh bien, Jaco avait parié sur 10 jours. Eh bien, nous sommes le 10 et effectivement, 10 janvier, c'est pas mal levé déjà à l'intérieur. Donc, quand je dis à l'intérieur, c'est moi, c'est installé à la fenêtre. Bien sûr, avec les couvercles, là, je les ai retirés. Entre 19 et 20 degrés, hein, parce que comme là, on a le soleil, ça chauffe un peu plus. Et vous constaterez que le terreau est humide. Voilà. Je vois Jaco qui est en train de préparer quelque chose là-bas dehors. Je vais ouvrir la fenêtre et puis on va regarder, on va lui demander ce qu'il fait. Ouais, Jaco, qu'est-ce que tu fais? Attends, j'arrive. Bon, ben, on va descendre parce que je vois qu'il a préparé les arceaux, la grelinette et tout. Donc on descend. À tout de suite. Bon, alors je suis venue voir Jaco qui passait la grelinette. Alors là, c'est hier, hein, tu as mis du fumier de brebis, hein, ici, il me semble, tout le long. Et puis là, tu as sorti la grelinette, la bâche, l'artillerie. Pourquoi faire, Jaco? Tu vas refaire un tunnel? Ah. Ouais, je vais refaire un tunnel. Vas-y. Parce que eh ben, j'ai mes choux de 500 qui sont en serre froide, en pot. Et j'attends le mois de mars pour les mettre plein terre. Ouais. Et je me suis dit pourquoi? Pourquoi attendre le mois de mars? Je vais mettre à pleine terre, je vais faire un tunnel. Puis en cas de froid, je mettrai un voile dessus. D'accord, ça marche. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a racheté aussi C'est pour ça que je voudrais mettre des à faire. arceaux. Alors, on va montrer comme ça, on n'a pas déballé. Et du coup, bah, écoute, on va pouvoir montrer ça en vidéo. Voilà. Là, comment je les achète. Alors, Voilà. c'est Tubifort. IRL. Oui. Diamètre 16. Oui. Longueur 2,40 m. 2,40 m. OK. Voilà. Un lot de 10, j'ai payé 5,80 €. Oui, c'est ça, 5,80. Donc 58 centimes pièce. Oui. Quand je les achète, ils sont pas. Elles sont droites? Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on va montrer après justement comment. Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui demandent comment je les achète. Comment c'est Et possible? ça devient courbé au fond. Ouais, Je les d'accord. achète droit. Ensuite, là, ça se fend tout seul. La gueule. Aussi, oui. Arrêtez de m'énerver. Bon, on va te laisser continuer. Et puis, je viendrai voir quand tu ouvriras le sachet et montrer comment ça se courbe tout seul. Hein. Donc là, bah, Jaco leur préparait tout ce qu'il fallait hein, pour lui faire le petit tunnel. Voilà. Et la bâche, la ficelle, le bois, marteau. Tenaille, Cette vache-là, elle a 12 ans. ah ouais, à peu près, oui, 13 ans. ouais, et puis fil de fer, et puis bien sûr, les petits arceaux. Bon, voilà, à tout de suite. Bon, je suis venue vous montrer dans la serre que là, ben, serre froide, hein, bien sûr, dans les deux caisses, toujours rien de levé. Bien sûr, il y a une journée de décalage hein, avec donc. Le premier semis avait été fait le 31 décembre et le second a été fait le 1er janvier. Voilà. Par contre, ce qui est dans la cuisine, une fois que ça sera levé encore un petit peu, là, ça va descendre aussi en serre froide. Pour que ça n'aille pas trop trop vite. Si j'ai bien compris tout ce que Jaco m'a dit.
Il rectifiera si jamais j'ai fait une bêtise ou j'ai dit une bêtise. Voilà, bon ben là je vais en recouvrir un seul. L'autre je ne le couvre pas. J'en couvre un seul. Voilà, et puis là ben, on va aller voir après. On va continuer à aller voir ce qu'il fait. Et effectivement, là les choux, hein, comme on peut voir, là c'est pas vraiment possible de les laisser dans les pots. Là celui-ci, à mon avis, il a bien pris racine là-dessous. Voilà. Bon voilà, le tunnel est presque monté. Donc là on a. Voilà, c'est bien, bien droit. On peut les. Sans problème. Oui, effectivement. Puis oui, au fil du temps, force de les plier comme ça, mais ils vont rester courbés. Mmh. Bah, comme les nôtres. Oui. Voilà. Comme Julien. Voilà. Donc. Hop. C'est pas pour capter. Il y a des nuages un peu bizarroïdes qui commencent à arriver. C'est bon, ouais, mais enfin bon. Voilà. Alors maintenant, l'autre côté. Puis alors voilà, ça se plie tout seul. Hein. C'est tout bête. Oui, c'est tout bête, effectivement. Mais il faut savoir. Bah, bien sûr. Voilà, c'est fait. Il faut que ça tombe. Oui, 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 oui. Ben, dans la vidéo. D'hier, on a mis le lien pour. Ouais. Donc, je vais pas le remettre cette fois-ci. Hein. Je rappelle quand même que l'arceau du dessus, c'est pour empêcher la vache de gonfler. Voilà. Avec le vent. Mmh. Éviter de faire parachute. Tout à fait. Et puis là, on met bien derrière. Je montre. Voilà. C'est ça que ça fasse. Hop. Voilà. Celui du dessus, je tourne un peu plus enfoncé que celui-là. Ouais. Alors, par contre, Jaco, une question. On va faire la même chose que pour l'autre. L'autre tunnel, il faut faire chauffer la terre pour mettre les choux de 500 ou on peut les mettre tout de suite. Ils sont dehors, hein. On les met froid. Maintenant. D'accord. Voilà. Bon, bah. Par contre, je voulais dire aussi. Ah, vas-y. Pour les choux, n'hésitez pas à fumer le terrain. Oui. Un chou, c'est gourmand. Il me semble que tu l'avais déjà dit, mais enfin, c'est bien de le répéter. Oui, oui. Oui. Bon, voilà, ça, je vais mettre mes choux. Ok. Je vais vous donner une petite astuce. Encore. J'ai pris un bon mou. Hop. Bon. Ah. Attends. 30. 40, 50. 60, 70. Ah. Ok, bah ça c'est pas mal, comme ça ça te resserre à chaque fois en plus. Voilà. Même pour moi, qui ont du mal à... bah, même pour moi, les distances c'est un gros problème à chaque fois que je plante quelque chose. Je cherche pas quelle graduation. Ouais, exact. Voilà. Hop. Vous pouvez faire ça sur un bout de bambou, sur une planche, sur un tasseau, n'importe quoi. Ouais, sur un vieux manche à balai en bois. Non, ça s'arrête à 70 parce que. Bah oui. C'est plus large que je mettrai. D'accord, c'est bon. Alors là, du coup, voilà. Ça va nous servir pour mesurer là où on doit mettre nos choux. Ah ouais, là, ils sont vraiment beaux, les choux. Hein. Oh là là, il est temps. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux. Ouais, ils sont très très beaux. T'as retiré celui qui était pavé. Pavé. Parce que je l'ai montré tout à l'heure, et c'est vrai qu'il était déjà enraciné ou pas. Il faut lancer. Ah oui, ok. Ça marche. Ça va vite, hein. Oui, ça va très très vite. Une nourriture dans le pot, il file. Bah oui, et puis eux, ils en ont besoin. Allez, on y va. Alors attends, petit coup de main. Oh, monsieur, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ouh, puis à une seule main, c'est pas pratique. Alors on y va. Un truc que je voulais dire aussi, c'est que les arceaux, ils vont rester jusqu'à la récolte des choux, c'est-à-dire septembre, octobre. Parce qu'après la bâche, ils vont infiler. Que je vais vous montrer après. C'est confiné. D'accord. Mais par contre, si jamais il fait très froid là d'un coup, parce que bon. Je mettrai un voile dessus. On mettra quand même un voile sur les choux. Sur les choux, ça résiste un chou. Oui, 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 mais bon. D'accord. Ok, ça marche. Okay. Alors, ton petit bâton. Oui, bien sûr.
principe, je dois mettre 90, 100. Ouais, normalement, c'est ça, hein. Donc, bon, allez, on va faire une petite rallonge, peut-être. Non, tout juste. Je mets 80 au bout. Hein. Tu fais, ouais, ouais, d'accord. Moi, je mets 80. Tu mets 80, ça marche. Ouais. Alors, donc on disait tous les 80 à peu près, Jaco, hein, c'est ça? À peu près, ouais. Il y a le pied d'1m4, finalement j'ai 1m3. Bon. Là, il y a l'artichaut. Oui, là il y a le pied d'artichaut. Hein. 4, 4 c'est très bien. Ouais. Bah, après, sans vouloir dire, bon, 4 shoots 500 pour nous deux, géant. C'est pas mal quand même. C'est voilà. Qu'est-ce que tu as vu? Oh. Une bête. Oh, il est beau celui-ci. C'est une couleuvre du Pas-de-Calais. Une couleuvre du Pas-de-Calais, ouais. D'accord. Et ça existe? Bien sûr. Voilà, il y a le pied d'artichaut ici. Et puis juste là, sur le côté, on a les deux, comment, céleri boules qu'on avait replantées ici. Là, alors, si ça sent, ça va faire des graines. Oui, ça sent pour faire des graines, oui, je sais. Alors, bon, on y va. Alors, quand on plante un chou, déjà vous enlevez toutes les feuilles du bois qui ne servent plus rien. Ça sera pour les bestioles. Voilà. On met rien au fond du trou? Bah non, il y a assez de fumier comme ça. Hein. Là, j'ai mis du fumier de brebis, puis j'ai mis un fumier de cheval et j'ai mis avec. D'accord. Et puis rien n'empêche de refumer en cours de saison. Oui, oui, bien sûr. Comme les tomates, genre, je fume toujours. Enfin, oh là, là oui. Il était pas mal. Là, vous enfoncez bien. Jusqu'au collet. Jusqu'au collet. Il y a un bout de verre. Là. Oh. Non, c'est une tôle. Il a eu de la serre. Jusqu'au collet. Comme ça. D'accord. Surtout si vous les mettez dehors sans tunnel, ben pour rester proxime au printemps. Pour pas que les fous ils ballent. Ils barloquent avec eux. Ils barloquent. Non, ça c'est du patois boulonné, Jaco. Qui balance. Avec le vent, puis souvent ça casse. Ou alors que ça tourne. Bien. Et alors on fait quoi? C'est pour ça qu'on les enfonce bien. Les masses. C'est pour ça qu'on les enfonce bien. Ouais. Puis qu'on les tasse bien autour du collet. D'accord. Éviter qu'ils bâchent. Ouais. Oui, il va t'abriter du vent, donc c'est bon. Oui, là, ça va aller. Ouais. On te regarde en faire un deuxième, puis après, on te laissera terminer. Voilà. Par contre, si vous mettez du chou Milan, Cabu, entre les choux, c'est entre 45 et 50. Hein. Oui, c'est beaucoup moins. Hein. Ben, déjà, c'est beaucoup moins gros aussi. Le hein. Coulis, c'est un peu moins encore. 35, c'est bon. Ah là, tu retires beaucoup de feuilles, là. Dis donc. Oui, voilà, je vais l'enfoncer celui-là. Ok. Plus renfoncé, plus il sera. Mieux ça sera. Bien. Bien ça. Jolie racine. Ah ouais. Je gêne, non? Voilà, bon. Bon, on va te laisser finir. Hein. Ouais. Je pense qu'après, il y aura un bon arrosage à faire là-dessus. Bon, on répète plus. Non, mais bon. Alors voilà, après un bon arrosage. Hein, un peu de fer à molle, bah, tout autour, autour des choux, juste autour des choux, hein, parce que bon, on c'est met, chances, c'est juste plein de barrières. Voilà, on met les chances de toutes les chances de notre côté. Les chenilles, à ce moment, il y en a encore. Oui, il y a encore pas mal de chenilles, donc là, on viendra voir régulièrement, de toute façon, aussi bien pour l'arrosage que pour les chenilles. Ouais. Et puis, bah là, Jaco, on va fermer le tunnel, là, on touche plus à rien, hein. Et puis, il me semble que tu voulais montrer quelque chose d'autre. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, voilà ce que Jaco voulait vous montrer. Voilà ce que je mets sur les cultures après le plastique. C'est un filet anti-insectes. Un filet anti-insectes. Ça fait comme une moustiquaire, c'est vraiment très fin, il n'y a rien qui passe. Oui, c'est vrai que c'est très très fin. Hein. Alors, ça, sur les choux, ça sera pour empêcher les papillons de venir pondre. Mm-hmm. Hein, alors, même si les choux ils touchent le filet. Le papillon mettra pompe dessus quand même. Ouais. Et les chenilles vont éclore sur le filet. Ils n'iront pas dedans. D'accord. Voilà. Et je mets ça aussi sur mes poireaux. Pour éviter la mouche. La mouche sur les poireaux. La mineuse, c'est une petite larve marron. Qui fait que la mouche, elle vient pondre à partir du mois d'avril. Ouais. Jusqu'à août. Donc, ça va me faire 3 ou 4 pontes. Ça va pondre sur le poireau. Les larves vont descendre jusqu'à la racine. Et le poireau est foutu. Vous allez voir les feuilles qui vont rouler exactement comme les oignons, les échalotes, l'ail aussi. C'est justement ce que j'allais demander. D'accord. Voilà. Donc, okay. Voilà. Ou vous prenez quand vous êtes trop atteint, vous prenez le produit que j'ai fait voir
J'ai fait avec l'huile et le savon et le vinaigre. C'est pas pour faire Vinaigrette. une vinaigrette. Hein. Donc ça a marché. J'ai fait 2 ans, ça a marché 2 fois. Oui, ça marche bien. Donc, mais sinon, vous mettez ça. Et ça en permanence. C'est-à-dire que dès que vous aurez semé, vous mettez ça. D'accord. Pour le Et poireau, pour les poireaux, tu parles là. voilà, poireaux, D'accord. carottes aussi. Poireaux, carottes, Ah, oui. carottes aussi. Ça marche. Parce qu'après, il y a la mouche et la carotte. Pareil, une C'est le journée. même. Voilà. Non, les mouches, les... Si, bah, les mouches, ouais, elles pondent partout, hein. C'est un Donc fléau. voilà, Hein. donc là, en fin janvier, on va semer le poireau chaud sous tunnel, donc il sera sous plastique. Et dès qu'on commencera à enlever le plastique, on mettra ça. Ok. Direct. Je suis à partir du d'avril, ici, ça commence à fondre. Ça marche. Donc après, le plan est affecté, c'est mort. Hein. Ah, c'est foutu. Hein. Ben oui. Voilà. Dommage. Bah oui. Donc pour le chou, je répète, bien fumer le terrain. Et une culture qui peut bien s'avoisiner avec, c'est tout ce qui est légumineuse. Fèves, haricots, pois, enfin, tout ça. Vous pouvez les semer à côté. Ils feront bon ménage. D'accord. Et non, ça je garde pour la fin de saison. À bientôt. Eh bien, les amis, sur ce, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous.